Salut, salut, c'est Biloulette. Alors, on est sur l'Amazon à nouveau et j'ai décidé finalement que j'allais aller me faire cette caverne. Donc voilà, un petit peu d'action, ça va nous faire du bien. Alors, bon, je suis toute seule, donc je suis pas aussi rassurée que quand il y a Pimsouille avec moi. J'ai beaucoup plus peur toute seule. J'ai beaucoup plus peur. Alors, j'espère que je vais arriver à vous parler en même temps que je fais ça. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc avec mes lumières. C'est que je vais les mettre ici. Voilà. Ok, alors. J'entends un zombie. J'entends un zombaï. Ok, bon. Vous voulez du fail? On va en avoir. Bon, alors par contre, je sais pas où il est le zombaï. J'ai l'impression qu'il est plutôt à gauche. Allez, on va essayer d'aller le chercher. On va essayer d'aller le chercher. Si on peut. Le trouver. Ah ben voilà. Je sais pas pourquoi j'ai emmené ma. Ça, moi. Attendez. Oui, je reviens, le zombie, t'énerve pas. Je vais juste me faire un petit coffre dans lequel je vais poser les trucs dont je n'ai pas besoin, puisque je suis sûre de savoir retrouver l'endroit. Arrête de grogner, toi, il se fait exprès de me faire peur, espèce de gros méchant. Voilà, le reste, j'en ai besoin. Par contre, je vais mettre ça là. Et ça là. Hop. C'est parti, mon kiki. Ok, then. Tu viens, tu descends, ça m'arrangerait. Non, c'est vrai que j'ai pas à te courir après, ça pourrait être bien. Pour te tuer. Espèce de petit malotru. Viens te montrer. Il est où? Il doit être au-dessus en plus, salopard. Comment fais-je? Coucou Pépère, viens me voir. Y en a d'autres ou pas? Ok, donc là non. Ok, bon, je vais déjà marquer la sortie. Bien. Allez, c'est parti.
J'entends marcher. C'est assez flippant, j'entends marcher. Ils sont où? Bon, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Ok. Alors, cul-de-sac avec un zombie dans le coin quand même, hein. Ouais. Bon, je vais aller prendre le fer. Déjà. Hop. N'a pas d'autre. Non, pas ici en tout cas. On en profite pour prendre les ressources au passage. Ça fait jamais de mal. Ok. Te voilà, petit monstre, je te vois. J'entends un squelette. Creeper. Tomber dans le trou, le creeper, ou vous cacher pour me péter au nez? Ok. Putain, j'aime pas ça, il y en a partout, bordel, des entrées. Bon, je sais, vous allez dire que je parle pas beaucoup, mais franchement, je suis flippée toute seule. Okay, donc là c'est double. Ok, ici il y a quoi d'autre? Alors là déjà il y a du fer, je vais aller mettre un peu de lumière. Histoire de voir si je peux prendre les ressources tranquilles ou pas. Purée, c'est grand ce machin encore, hein. Bon. Ok. On va grimper. Pour creuser au-dessus de notre tête, je sais, c'est pas bien. Ok. Qui est prêt à me péter au nez pour que je redescende. Ok.
Bon, j'ai tout pris. Ok, donc là c'est bon, je vais prendre le fer qui est ici. Bon, alors ça va être sympa un peu le partenariat là, de plus avoir à se prendre la tête à chaque fois avec le chrono, tout ça, tout ça. Ça va être bien. Bon, ceci dit, c'est pas pour autant que je vais vous faire des épisodes d'une demi-heure comme d'une heure comme certains l'envisageaient. Ici. Qu'est-ce que je suis flippée moi ici toute seule? Elle est où ma copine? Au secours. Ce serait pas un... J'entends des araignées. Y aurait-il pas un donjon par là? Le bruit qu'on a eu là quand je suis arrivée, c'était quoi à votre avis? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, vous pouvez pas me répondre. Bon, allez, on y va. On verra bien si on meurt. Ou pas. Il y a beaucoup d'araignées. J'entends beaucoup d'araignées. C'est du fer. C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre des araignées qui meurent. C'est étrange. Bien arriver à localiser. J'aimerais bien savoir où c'est. Oh tiens, je vais prendre une minute pour éteindre mon Skype. J'ai pas pensé. Faut que je le mette en ne pas déranger. Parce que sinon, si j'ai une notification, vous allez l'entendre. Voilà. Donc, je disais donc, c'est ça, tu peux jeter ton truc, ça sert à rien, c'est vrai.
Bon, je vais peut-être mettre un coup de F3 hein, pour trouver parce que c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle meurt, j'en entends mourir. Si ça se trouve, c'est au-dessus ou en dessous. Bon, je mets un coup de F3 pour localiser. Oh putain. D'accord. Comme qui dirait qu'il y a du monde. Bien. Bon. Ben voilà. Hein. Ça c'est fait. On sait à peu près qu'il y a du monde qui veut nous croquer. Et voilà, c'est un donjon. Putain. Un donjon à araignée. Ok, donc on va se le prendre par plus bas. Alors, on va se le prendre par plus bas. Parce que moi, elle me le prendre du haut. J'aime pas ça du tout. Je préfère me le prendre de côté. Et là, je suis encore en haut. Ok, bon. Donc, il va falloir creuser de plus bas. Pou, 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 pou. Ok, là, je me mets à l'abri, histoire qu'il n'y en ait pas un qui me tombe sur le paletot sans que je le voie arriver. Mais non, mais c'est quand que ça s'arrête, là? C'est peut-être pas mal par là. C'est peut-être pas mal. C'est bien, je suis pas mal placé par rapport au spawner. Bon, j'aime pas avoir si peu de recul par contre. Hop. Donc le spawner est là, les copines aussi. Coucou les copines. Coucou les filles, comment ça va bien? Un cran de plus, m'aurait bien plu. Bon bah je sais, vous aimez bien que j'aille à la Warrior et tout ça, hein. Mais bon, vous connaissez ma petite technique, donc je ne me la ferai pas à la Warrior, voilà, c'est dit, je vais me la faire à la Biloulette qui flippe. Barre-toi, toi. Voilà. Merci. Salopiote. Vous êtes beaucoup les filles. Tu me tapes pas pareil, toi, dis-moi. Oh, vachette! Mais comment elle arrive à me taper alors que je suis loin comme ça?
Alors, voyons si ça a fini de spawner. On dirait bien. J'en entends encore une. Sais pas où elle est. Est-ce que t'es saleté? Je sais pas du tout où elle est, l'autre que j'entends là. Elle est là. Pourquoi j'entends encore des araignées, putain? Hop, on va faire une petite pause et je vous retrouve dans l'épisode suivant. Allez, bye bye!